Le 25 septembre 2009, Emilie Neff-Naf était sacrée grande gagnante de la troisième saison de Secret Story. Plus de 10 ans après cette victoire, elle a fondé la société Le Secret by Emilie Neff-Naf. Spécialisée dans la vente de compléments alimentaires aux vertus en tout genre. Particulièrement fière de sa perte de poids et de sa silhouette rebondie, l'ex-compagne de Jérémy Ménès a décidé d'aider les autres femmes à se délester de leurs kilos superflus en leur proposant de petites pilules magiques supposées affiner leur ligne. Sur Instagram ce samedi 21 août, c'est pourtant un autre message que sa société a décidé d'adresser aux femmes, pas la peine de s'attarder sur les critères du corps idéal. Il y a autant de corps que de femmes, est-il écrit en légende d'une photographie présentant une jeune femme en lingerie. Logique évidemment, mais à trop vouloir ressembler à telle actrice ou à tel mannequin. On oublie parfois les priorités. Alors certes, on peut lorgner sur les abdos sculptés de l'une ou les fesses rebondies de l'autre. Point, mais inutile de se créer des complexes. Ronde, mince, petite, grande. Filiforme ou gironde, brune, rousse ou blonde, toutes les femmes sont belles, un message a priori aux antipodes de l'ambition de sa société. Et pourtant. Oui, mais voilà, une seconde photo présente un produit phare du secret minceur. Un complément alimentaire à base de chocolat, dont la légende vante les mérites en ces termes, vous voulez perdre du poids? Le secret minceur est la cure de 2 mois pour abooster vos efforts au quotidien. Vous voulez vous raffermir et nourrir vos muscles? Le secret chocolat. Café ou soupe, il y en a pour tous les goûts. Moralité, vous pouvez être ronde. Mince, petite, grande, filiforme ou gironde, il faut quand même envisager de perdre du poids pour entamer une démarche de bien-être. Un discours antinomique qui n'a pas manqué d'interpeller les internautes, PTD à le marketing de cette marque. Je ne le comprendrai jamais. Accepte-toi comme tu es, mais tiens un produit pour te raffermir le corps. Et donc de nouveau on dit de se trouver belle telle qu'on est, mais on vous propose de mincir quand même pour être plus jolie. Virgule, totalement contradictoire vos propos. Je me suis dit top leur discours c'est super, et puis à la fin de la lecture un flop. Pathétique. Une publicité qui aurait décidément dû rester secrète. Pour découvrir la publication polémique, c'est ici.